Et bien salut à tous, c'est Dodo Info. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montrerai 5 logiciels que j'utilise pour faire mes montages vidéo sur YouTube. Donc dans cette vidéo, je vais classer ces logiciels dans l'ordre de mon utilisation personnelle. Et on va commencer par le tout premier logiciel en première place, donc Adobe Premiere Pro. Donc un logiciel de montage très complet et très puissant, développé par Adobe. Donc on a plein de plugins et plein d'effets pour ces montages vidéo. Il est un peu compliqué à s'en servir au début, mais dans le temps après on s'habitue très vite. Aujourd'hui, c'est mon logiciel de montage vidéo principal. En deuxième place, on retrouve After Effects CC 2017, donc un logiciel aussi très très complet et aussi très très puissant, développé par Adobe. Donc After Effects est fait plutôt pour les effets spéciaux, les intros et les outros, etc. Après, le seul inconvénient, c'est qu'il est vraiment beaucoup complexe à utiliser. En troisième position, donc là, certains d'entre vous, vous allez vous dire « Mais oui, mais c'est pas un logiciel de montage, eh bien si !» Donc c'est tout simplement Photoshop, donc un logiciel de montage photo. Donc là c'est pas vidéo mais là c'est photo, donc je l'ai mis quand même dans cette vidéo parce que ça fait partie d'un logiciel de montage. Donc voilà, Adobe Premiere Pro, donc aussi développé par Adobe, très puissant et très complet, donc comme le reste des logiciels de chez Adobe. Hein. On peut faire des très belles miniatures et de très bonne qualité. Donc au début il est un peu difficile à manier mais voilà, dans le temps, quand on apprend tout ça sur internet, on s'habitue vite à l'utiliser. En quatrième position, on retrouve Camtasia Studio 9, donc un logiciel de montage vidéo plus fait pour quand je filme l'écran de mon ordinateur, donc comme là. Il est beaucoup moins complet des autres logiciels que je vous ai parlé précédemment, mais voilà, il reste facile vraiment à utiliser. Et en cinquième position, donc ça c'était un logiciel que j'ai utilisé au début de ma carrière YouTube, donc pas tout à fait au début parce que tout à fait au début c'était Movie Maker, là aujourd'hui j'utilise plus. Donc en cinquième position c'est Sony Vegas Pro 13, donc aussi un logiciel de montage vidéo presque complet, donc vous voyez il n'est pas totalement complet. Il manque encore beaucoup de plugins pour qu'il soit totalement au point et facile à utiliser. Mais après voilà, il reste moyennement facile à utiliser, ça dépend de certaines personnes. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur les 5 logiciels que j'utilise pour mes vidéos YouTube vous plairont. N'hésitez pas aussi à aller voir dans la description de la vidéo, donc voilà les 5 logiciels que j'ai présentés dans cette vidéo. Mon site internet, mes autres chaînes YouTube, mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à plus pour une future vidéo.